Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl dans la Super Crook Bowl 6, le dernier match de la 9ème journée, et pour l'occasion, on joue en vocal avec notre adversaire. Salut Torvi! Salut! Donc ça va être un match Amazon contre Amazon. Par contre, ça va être un match équipe défoncée contre équipe un peu près en état. Donc moi j'avais pris cher lors du dernier match, hein, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui l'ont vu, on a Grendon qui est pas là et on a des blessures un peu partout, et par contre Torvi a plutôt bien géré sa saison. Donc ça va être pas autant de victoires, mais... T'as survécu quoi. Ça. Ah salut, moi ça se passait pas trop mal jusqu'au dernier match, le dernier match ça a quand même vachement piqué quoi. Alors du coup, on a droit à plein de thunes par contre. Hein. Alors, ce qui serait pas mal, c'est un peu de force éventuellement, mais... T'as beaucoup de blocs et les champions ils ont pas bloc, je peux pas me permettre de relancer avec un champion, ça fait chier. Elle est beaucoup trop chère, non, on va rester sur de l'inducement classique. Prendre ça. Hop. Puis c'est le dernier mage, donc un apothicaire sera pas très utile. On va partir sur sur deux serveuses et c'est parti. Comme ça au moins j'ai autant de relance que toi. Oh bon. Et sur du 7 d'armure, il y a moins que le sorcier soit à peu près efficace. En général, je fais des 1 avec mon sorcier, donc pas d'inquiétude. On va souhaiter que c'est la même chose aujourd'hui. Alors, qui c'est qui va commencer? Ok, parfait. Je vais prendre l'attaque. Et bah du coup, bon match, bonne chance. Bon match. Faire à l'oral pour une fois. C'est la première fois que tu joues en vocal avec ton adversaire, tu disais, donc si jamais ça, c'est perturbant ou ça te gêne, tu me dis, on coupera le vocal. Bon. L'objectif c'est de s'amuser, pas que je te fasse perdre parce que je te distrais en parlant. Vu qu'il faut que je parle un peu pour meubler les silences pour les viewers. Alors on va afficher les compétences. Hop. Ah, tu commences à manquer de 3 quarts sans XP à mettre sur la ligne, par contre. Ah, il me reste plus qu'une seule châtaigne, quoi. Pff, oh là là. Bon après, faut dire aussi que j'ai laissé crever des joueurs stars parce que c'était pas des, ils avaient pas des noms d'abonnés et je voulais les remplacer par des abonnés, donc forcément ça coûte un peu quoi. À un moment. Trois remplaçantes quoi. Ça va être le drame. Putain. C'est une receveuse. Le bloc. On essaie ça. Ok. Alors, la garde au milieu pour faire chier. Mais elle a pas bloc. Elle a pas bloc, tout à fait. Alors, nous, ce qu'on va faire. Notre petite ramasseuse un peu dans le mal, on va mettre là, ici. Là, on tape.
mettre un autre bloc ici plutôt. Hop là. Donc on neutralise la gare, on neutralise les copines. Et on neutralise un tacle. C'est le plan. Ah, ce plaçage de balle, bien joué. Ok. Bon, le petit tacle châtaigne dès le début, c'était obligé. Relance qui part, ça c'est fait. Et ici, on tape. Alors, on va tenter de ramasser. T'as deux mises de paquets pour ramasser, c'est chaud. On va pas ramasser. De toute façon, la balle est un peu près en sécurité là. Bon, ça fait plaisir d'avoir neutralisé une garde, un tacle, en plus c'est un chaos, c'est pas trop méchant. Je sens que t'en veux à mes glissades contrôlées. On va essayer d'enlever ceux qui ont des skills en premier. C'est une bonne idée. Je te l'accorde. C'est pour ça que j'ai glissé le tacle d'ailleurs. Ah, ça tient. Ok, donc plutôt Amazon agressif quand même. Pas de pitié quoi. Cette fois.
Alors, ici. Toi, t'as que un dé, hein, ouais. Dommage. Hop là, on s'infiltre un peu. Alors, on va tenter un ramassage quand même. C'est censé être un petit peu l'objectif. Ça, c'est une receveuse. Alors, la garde est de retour. Ouf. Tapis. Allez, malice, résiste ou pas. Ça va. Ok, Sonny. Je ferai avec, comme dirait l'autre. C'est chaud ça. Par sur ta gauche, si tu veux esquiver avec elle. J'étais obligé de te laisser beaucoup trop de joueuses libres, ça me plaît pas trop, mais bon. Ok, intéressant. C'est bien, tu joues la défense agressif, t'es comme moi, tu restes pas derrière à les laisser glander quoi. Faut essayer des choses. Ouais, ça se tente, c'est vrai que le bludge hein, c'est toujours difficile à faire tomber. Là, on va avoir un petit coup gratuit. Ok. Ça c'est pas cool. Ah, les blocs à un dé. Non, j'en fais pas beaucoup, mais là, j'ai pas le choix. J'essaye. D'accord. Bon. Elles avaient toutes blocs. Ouais, non, ça restait des blocs safe, hein, je dis pas le contraire. Mais ils sont passés un petit peu trop. J'étais chanceuse. Ouais. C'est surtout ça. Ok, alors, du coup. Jusque-là.
faire ça déjà. Ok, c'est pas ouf. Non, c'était un mauvais move ça. C'est pas grave. Il faudrait que je nettoie là. Safe, ce serait sûrement par ici. Ok, faisons ça. Ouais, il y a un paquet, c'est un peu chiant. Tout ceci est assez moyennement satisfaisant, je trouve. Ah, les esquives fonctionnent au moins. Ouais, ça c'est toujours ça de prix. J'aimerais que tu ailles ici, toi. Ok, parfait. Bon, on n'est pas ultra sécurisé, mais c'est pas si mal. Ok. Je vois bien que t'en veux à Chobiti, hein. C'est dingue comme j'ai pas l'impression d'être d'être 11 sur le terrain là. Je me sens tellement en sous-nombre. Ok, ça c'est cool. Ma tour se ressuscitée qui résiste. Aïe, ça c'est moins cool par contre. Et banana. Parfait. Ouais. Ok, Prester Janelle qui continue de survivre. Hein. Elle a fait quasiment toute la saison avec 6 d'armure, elle. Hein. Elle est encore en vie. Voilà. Ah non. Ah, ça fait
Ça tient. Ouais, les armures tiennent. Je vais pas me plaindre là-dessus. Il reste un bloc en haut. Qui donne rien. Ok. Et papillote, c'est pour toi. Alors, ta garde. Parfait. Eh ça. Oui. C'est très très bien ça. Ouh, c'est doublement très bien. My. Ça c'est pas ouf par contre. Oui, si je me mets ici c'est pas trop mal, mais on est vraiment pas en sécurité. Ça me va mieux déjà. Mouais. Ça vaut pas le coup. D'accord. C'est pas facile. Ah, le bon. Ouais, elle peut pas aller bien loin, par exemple. Non, là c'est un bon, mais il est obligé de se faire bloquer un dé après. Ça aurait pu être rentable d'amener un support avant, mais il n'y avait pas grand monde de disponible non plus quoi. Ouais, pas mal. Oh, dur. Ok. Ça va. Bon, ma défense reste présente. Ça va pas trop s'ouvrir, donc ça me dérange pas les mains plus que ça. Ok. D'accord. Ok. 2 dés sur la garde. Non, deux... Ah oui, putain, non, j'annule, pardon, un seul. Mais bon, un pot quand même, donc ça va. Oui. Oh, oh là là. Désolé. Oh, bah non, bah, c'est pas grave. Hein. Tente. Ouais. Bon. La garde en moins, ça pique ça.
Tiens donc. Ok. Ça, ça fait les blocs 1D là, j'en ferai pas trop. Point trop n'en faut. Ah. Oh, ça va sonner. Alors, ensuite, il faut qu'on ouvre par ici. Parfait. Ouille, désolé. Anastasia qui prend une petite fessée. Oh putain, ça pique en plus. Ah, c'est qu'un 3 quarts, mais c'est vrai qu'avec ces niveaux. Garder pour les morts, j'en ai de temps en temps. Ouais, avec les Amazones, faut pas être trop gourmand. Alors, faisons ça intelligemment. Hop. Et c'est le tuge d'un, okay. Le Chobiti. Ah, et la combo 17 contre les parades est vraiment très très puissante. Pour ça. Alors. Bon, notre garde est aux fraises. Ça c'est un peu chiant, notre botteuse aussi est blessée. Ok. Cela dit, j'ai encore du travail avant de réussir à sortir suffisamment de personnes pour que tes remplaçants jouent plus. Hein. Ah ben là, il m'en reste juste un remplaçant, une remplaçante. Le chaos est pas revenu, puis... Ouais. Mais oui. Mais bon, t'as du rap, donc ça va. Et puis ta lanceuse, là... Dextérité 4 d'AG bloc... La fâche. Ok, ça se C'est ça. Ok. Ah oui, je me demandais en t'entendant si t'allais te placer comme ça. Ça me paraissait assez bizarre comme placement. J'y rapproche pour les voir dans l'écran, puis. Ah, ok. Non, mais ça pouvait se voler. Il pouvait y avoir un placement précis pour faire un one turn. C'est un truc un peu tricky. Ah bah, je crois que c'est la première fois que je vois une ligne d'Amazon en attaque comme ça. J'ai l'impression que tu veux un peu me rentrer dedans. Ah, on va essayer. Cela dit, au moins là, même avec un blitz, j'irai pas loin. Bon, on a plus de botteuse, donc on va faire simple. Ah, cool. Là pour le coup c'est les victoires qui jouent sur cet engagement. La popularité qui est un petit peu plus haute de mon côté. Bon, par contre on est abonné au bon placement de balles j'ai l'impression sur ce match. Ah,
Ah, Prester Janet qui tombe et qui est KO. Bon bah voilà, Prester Janet, à tout à l'heure. Prester Janet, c'est la coqueluche de mes viewers. Ah oui. J'ai fait un match contre un de mes viewers, il osait même plus taper dessus. Elle m'a tombé jamais. Ok, là ça va. Donc, du coup, la garde, il va falloir que tu ramènes du renfort. Ou que tu blitz comme tu veux. Mais... Vous savez, je l'utilise là exprès, je l'avoue, pour provoquer un peu les jets de dés. Ok, le pot. Ça va. Alors, que vont faire Hortensia et Mariposa? Se repli, ok. Ok, elles se replient toutes les deux bien en arrière. Ok. Bon bah du coup nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de notre supériorité numérique au centre, hein, honteusement. Hop, toi tu vas te replier ici. Avec Malice qui danse, au cas où il deviendrait l'envie de partir complètement de ce côté-là. Alors ensuite... Blitzer avec elle... Donc on va se placer par là... Ah, dommage... C'est pas grave, on a nos deux dés là quand même. Et B. Bon, bon, du coup, il va falloir qu'on referme. Ouais, il faudrait que je me débarrasse de ta garde, ça va faire chier. Ok, ça tient.
Coucou. C'est Benico qui vient mettre un peu de pression. Ben, aucune pitié, tu vas aller par là. Et t'as servi l'intrépidité avec les Amazones sur la saison? Enfin, je sais pas depuis quand. Oui, là, bah, mais... c'est dans les équipes qui des fois ils ont des cartes de force, là, je m'en suis servi un peu, oui. Ouais, ça marchait bien. Ça aide un peu des fois à frayer un chemin. Là. Je me suis tâté d'en prendre une, ouais, avec une blitzeuse. Parce que sur les bretonniens, ça marche très bien aussi. Enfin, tous les blitzeurs ont intrépidité de base chez les bretonniens. Mais c'est pas con, hein, sur une qui est déjà blodgeuse dès le début. Que tu te tâtes à ramasser. Bon, je suis pas habitué d'avoir une 4 d'agi. Ah, de plus avec relance, ça peut rater, hein. Double 1, ça arrive, mais c'est quand même pas. Ça reste assez rare, on va dire. T'en as une autre, une receveuse, elle est où? Ah, elle est là, ok. Je la voyais pas. Ok. Ok, on blitzera là, ici on va taper, ici on va se relever. Là on a un bloc, ouais c'est pas mal, on va commencer par ça. Ok. Ensuite ici. Voilà marqué, c'est la garde. Ah, oh. Bah, ou du coup. Une gardeuse de moins. Ça, c'est cool. Hein. C'est pas cool. Si, si, c'est cool. J'insiste. Ok, ça, c'est pas mal aussi. Qu'un peu de chance. Oh, sonner, ça suffira. Ici, on est déjà bien. Alors. On va continuer de mettre la pression. On va aller marquer juste la receveuse. Tranquillou. Là, par contre, on va rester. Ok. Bon, on a chacun perdu notre garde, ça fait plaisir. Pour l'instant, j'ai un chouïa plus de chance sur les armures, quand même. Ouais, un peu.
c'est un seul dé. Ici, c'est un petit peu neutralisé aussi. Allez, il reste plus que deux tours à tenir. D'accord. Tu fais le choix de la violence, je m'en souviendrai. Oh, on va essayer de voir être meilleur en deuxième demi. Ouais, bah marqué en 3 ou 4 tours avec les Amazones, c'est tendu quand même. Mine de rien, elles sont pas si rapides que ça. Allez, le blitz avec la balle. Double crâne morte. Non, on fait pas ça, c'est une blague. Bon, cela dit, c'est vrai qu'on a utilisé très peu de relance hein, sur cette mi-temps, la vache. Une chacun. Ah, tu lâches pas, tu veux marquer. Ah. Oh. Ok. Oh, bien joué. Bon, par contre, ça va devenir la cible à battre là. C'était déjà une cible à abattre avec son tacle, mais là... Il te reste que un dé, normalement. Un, deux... Enfin, j'ai pas blitzé, mais bon... Un, deux, trois... Ok. Ouh, l'esquive à 6 plus, carrément. Ah oui, là c'était. c'était quand même un peu risqué. Peu désespéré. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est dommage en plus parce que. Du coup, j'étais obligé de faire une mise de paquet ou un. Ou une esquive pour amener un 2D et là du coup je l'ai gratuit. Aïe 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 aïe. Ah la châtaigne qui fait le taf quand même. Ouais bon ça c'était pas très utile par contre mais c'est pas grave. Ouais, j'aurais presque pu cramer une relance là-dessus. Ah ouais, j'étais assez proche pour amener un renfort, tiens. Ici, on a possibilité de se faire surfer, ça m'embête un peu. Faut essayer de se tirer. Voilà. Et là, ouais, non, là on va. On va prendre des jetons, on peut pas faire autrement, ok.
Boutique qui est très en forme avec la balle ce soir. Aïe. Ok, ah. Ça va. Bon, va falloir que les serveuses fassent leur taf par contre. Normalement t'as deux blocs gratuits et un bits. Et éventuellement un troisième bloc en réussissant à te faufiler, mais c'est tendu. Réception, ça. Ouais. Ah, ça peut le faire. Si ça tombe là, et ça tombe. La châtaigne, attention. Ok. Ensuite à support, il te restera deux joueuses pour amener du support en bas, donc tu auras trois blocs, bien joué. Bon là de toute façon ouais, soit t'amènes deux supports, soit t'en annules un, mais je pourrais pas jouer après, donc c'est safe. Hein. Ah le pot de fin. Quand c'est putain. C'est celui qui part en sucette en général. Ça va. Ok. Et ben... Première mi-temps bien disputée, mine de rien. Alors, toi t'as un KO qui revient, moi les deux reviennent, parfait. Et je crois que c'est ta garde qui est restée KO en plus. Oui. Allez, on va être un peu moins greedy quand même. Une tacle de moins, puis une garde de moins. Puis l'autre, c'est quoi? Bon. Enfin, c'est une blitzeuse, quand même. Ah bon. Ok. Interceveuse ici. Ah oui, à l'arrière l'autre, d'accord. Ah mais tous ces blocs partout, t'en as combien quoi? 3, 4, 5, 9 blocs sur 11. La vache. J'ai 7 blocs. Ouais, je compte avec les blitzeuses. Je me suis pas gouré.
4. J'ai 4 j'ai 4 3 quarts avec puis ma receveuse avec rien du tout. 2 3 4. Et tu dois avoir 4 blitzeuses en plus. Il y en a une de sortie. Ouais. OK, on essaie ça. Oula, putain, je clique n'importe où. Hop. Ibi. OK. C'est cool. Allez les filles, faut tenir. Ah, ramassage cash, même pas tu tapes avant. Ok. Ouais, je sais pas. Non mais ça s'entend parce que c'est pas vrai. Pas supposé manquer sur grand chose là, à 4 d'agi là. Ouais, puis si jamais tu rates un bloc et que t'as un turnover, la balle était placée pour une contre-attaque, donc ça s'entend tout à fait, je trouve. Allez, c'est parti. Ok, ça passe. Prester Janet qui tient la ligne. Donc ensuite c'est Révolution qui va prendre normalement. Ah. Ok. Allez, t'as bloqué en diagonale du coup. Et là, ça passe. Bon, les Prestars Jeunesse sont plutôt fidèles à leur réputation sur ce match. Alors, est-ce que tu joues cagette ou est-ce que tu joues rentre dedans? Je sens une hésitation. Oui, je réfléchis. Ça fait pas si longtemps que je joue au Blood Bowl. Oh bah tu te débrouilles plutôt bien, hein. Franchement, il n'y a pas d'erreur de placement, pas de choix bizarre. Pas de choix de compétences inutiles, enfin franchement je trouve que si effectivement t'es débutante, c'est plutôt un très bon débutant. Oui bien sûr j'esquive cette question. Oh, puis t'as pas un jeu Amazon chiant, genre on esquive et on reste loin et il se passe jamais que dalle, en restant à une case de l'adversaire en permanence. Ça, c'est appréciable. Non mais j'essaie d'avoir des joueuses que ça me dérange pas de les autres. Ouais, fermeture, ouais. Là par contre, ça appelle quand même. Ouais, ça appelle une boule de feu. Là. Ah, c'est vrai. J'avais oublié le. Ouf. Foudre à l'éclair, c'est fait foudroyer. Ah non, c'est même pas l'éclair, c'est une boule de feu en plus. Oh bah. Ça ok, va. D'accord. Hey. Ah, c'est comme ça. Ok.
Ok. Ton sorcier. Excuse-moi, ça a dû couper, j'ai juste entendu sorcier. J'avais juste complètement oublié. Ah ouais, que bah, t'avais un sorcier, ouais. C'est le but de pas en parler et de rester discret quoi jusqu'à ce qu'il tombe, mais de toute façon il était obligé de tomber à un moment ou à un autre hein, donc ouais alors du coup je préfère encore rester. Ok. Dans ce cas-là, on va se commit comme il faut. Toi, est-ce que t'avancerais là? T'as pas bloc, non, ça sert à rien. Allez, Prestern Janet, putain la vache quoi. Les pots sont partis en vacances. Hein. Ok, on va essayer la petite défense habituelle. Bon. On a collé une glissade contrôlée à la balle, c'est déjà pas mal. Se mettre ici et après glisser là et repousser. Ouais. Peut-être avec elle qui a pas d'esquive. Essayer de mettre quelqu'un au-dessus de Chobiti pour pouvoir faire un push-push. Ok. Ok, ça tient. Ouf. Ah. Ah oui, non, je crois que pour nous deux là. Ok, donc on annule toujours les supports, ça c'est cool. Ça va être compliqué d'amener 2 dés normalement. Après c'est vrai que ça reste juste une esquive relançable, hein. C'est pas non plus insurmontable. Il y a des possibilités. Ah. C'est risqué parce que les pots sont un peu sont un peu ouais. Partis camper là. Ok. Ok, on va laisser ça comme ça. Ok, donc toi, on va te garder 2 secondes. Là, on a que de la 2/3 de base. Hein. Allez, c'est parti. Ok. Quand même. Moi
pas d'armure, mais déjà ça. Bon. Là, par contre, ça veut pas. Tant pis, on y va quand même. T'as une receveuse qui est là, qui m'emmerde un peu, très honnêtement. Attends, encore moyen de partir par ici. Si je me mets là. Enfin, faut que je me mette ici, mais c'est merdique. Non, on va se mettre plutôt par ici. Sécuriser les deux lignes de départ. Après. T'as du bloc partout, c'est compliqué. Donc, non, on va rester. On va rester collé. Ça me suffit pour l'instant. Ah. D'accord. Pourquoi pas? C'est vrai que t'as le temps. Oh non, c'est vrai, pas de raison de se précipiter en faisant des blitz bizarres. Là du coup tu vas pouvoir enchaîner le 2D. Encore un. Ensuite. Prester Janet qui résiste, hein, pas de problème, aucun stress. Ah, ça va manquer de garde. Hein. Mettre du surnombre ici, c'est bien. Avec un blitz, tiens donc. Ça c'est une blitz, ça. Ok, d'accord. C'est d'être patiente. Non, non, mais c'est bien de pas se précipiter, hein. Ok, ici on se colle pour annuler le support. Ouf, merde, ça pique ça. Alors, du coup, ici on a
Un bit, c'est un dé, c'est de la merde ça. Personne qui a bloc accessible. Hein. Non, il y avait Malice, mais il fallait qu'elle s'occupe de la blitzeuse. Du coup, on va reculer. La blitz est là. Son relance, malheureusement. Ah, ah, c'était le risque. C'était le risque, c'était le risque. Ouais, mon erreur, je pense, c'était de ne pas replacer Banana avant cette action-là. Beaucoup de 1 sur ce tour, hein, mais bon. Qu'on fait barrage de notre corps, c'est suffisant. C'est ça qu'il faut se dire. Ok. Bon, c'est un peu la mêlée là, hein, faut avouer. Ouais, voilà, là j'ai pas replacé Banana et du coup on est en sous-nombre à droite, c'est le drame. Enfin, c'est le drame, on se prend des blocs quoi. Intéressant. Là, il y a du paquet. Là, j'aimerais bien remonter quelqu'un d'un peu moins critique en haut. Bon, on va se mettre là pour l'instant. Ici, on se relève. Ici, on a toujours ça. Ok. Si j'avance, on a 2 dés. Parfait. On poursuit. Armure. Ah, la blessure, la vache, dis donc. Ça pique. Ça commence à piquer. Où est la balle? Ici. Ok. Ils sont pas partis en vacances, les pots. Ouais, là ils sont repassés de mon côté en force, je crois. Ouais, beaucoup trop de force ici. Alors, du coup, ça c'est quoi? C'est une receveuse. Hop, on va esquiver un peu nous aussi. Et toi, ma chère, tu vas aller mettre un peu de force ici, parce que faut que ça tienne au centre. Du coup, on a un petit 2D là. Aïe, merde. C'était gourmand, ça.
ça sera bien dans la mêlée. Rien de plus. Bon. Tu vas se contrôler, ça marche sur un bloc ou sur un... Ouais. Peut-être sur un push-push aussi, je sais pas si glissade contrôlée marche sur un push-push. Ouais, va falloir prendre des risques là. Allez, Shobiti, tout repose sur toi. Ah. Ah. Ah, c'est vrai. Ah ouais, j'avoue que là... pas ça je voulais. C'est léger passage à vide, là, quand même. Mais c'est quand même risqué. Ok, ventilé, ça se vaut. Une zone de tacle en moins. Aïe! Ah. Benico qui prend sa fessée. Ok, une commotion, c'est pas grave. Au moins on fait de l'XP. Ouais, un petit niveau, c'est toujours plaisir. Papillote qui va prendre une fessée aussi, ça va. Ouais. C'est la serveuse qui a joué quand même, hein, je pense, pour l'instant dans le match. C'est ça. La boule de feu, elle a fait le taf, mais bon, elle a pas non plus été rentabilisée vu son prix. Alors ici, on va marquer un peu plus efficacement. Alors maintenant, si je tape comme ça, j'ai pas trop moyen. Ok. Oui, non, c'est pas moi qui ai le bloc. Que je fasse pas n'importe quoi. C'est mélange. Ouais, y'a trop d'Amazon partout là, c'est le bordel. On comprend plus rien à ce qui se passe. Ok, ici on a ça, c'est pas mal. C'est pas non plus oufissime, hein. On va pas se voiler la face. On est beaucoup trop en sous-nombre. Tant pis, on va commit banana. Oh putain, dis donc, un papillote chie dans la colle là. Au moins les relances servent. Oui, au moins, ouais, c'est clair. Heureusement qu'on en a beaucoup parce que. D'accord, bah du coup on va se contenter de zones de tacle. Alors celui-là pourrait être rentable, si on la rate c'est pas trop grave. Ok, parfait. Ok, on s'arrête là. Bon, une bonne paquetée de zones de tacle et on n'a pas de push-push facile, c'est plutôt pas mal.
Qui c'est qui a pris un niveau tout à l'heure? Ah, c'est Malice. Ouais, c'est pas facile, hein. Même à ta place. Toi, t'as la même place là. Ouais, dégager ici pour libérer elle. Ramener de la force. Je pense que la stratégie du rebond favorable va commencer à s'imposer là. Ouais. C'était risqué ça, t'aurais dû faire le... Ah oui non, tu te relevais, tu pouvais pas bloquer à 2 dégâts avec l'autre. Ah dommage. Non mais autant pour moi, c'était pas si risqué. Ah. Oh. Oh, ok. Allez. On va relancer les dés. Ok. C'est pas si mal. Des rouges, ouais, c'est des rouges. Ah. Vous oubliez. Merde, ok. Esquive vers l'arrière, enfin vers la gauche ou la droite de ton côté, pour que ça soit plus facile. Wow. Ok. Ça c'est beau ça. Qu'est-ce que je fais avec maintenant? Ouais, bah il y a la possibilité de faire une bombe ou de réesquiver, mais t'as utilisé ta relance auto, donc c'est risqué. Qui c'est qui va réceptionner? Bah vas-y toi. Ah, j'y ai presque cru, hein. Enfin, cela dit, la balle est évacuée. Loin, au moins. Ouais, la balle est bien évacuée. Hein. T'as fait quoi? T'as fait un 6 sur la passe? Ah ouais, 6 sur la passe, très bien. C'est propre. Ok, bah du coup. Non, il faudrait qu'on te libère toi. Donc du coup ce qu'on va faire c'est déjà éliminer cette variable. Hop. Toi tu vas ici. Donc ici on a dit qu'on a un paquet, c'est un peu de la merde. Ouais, on n'a pas le choix. Qu'on fasse comme ça. Ah. Il reste ma chère. Oh. À mon tour. Après tout, hein, pourquoi pas. La vache. Bon. C'est pas perdu encore. Hein. Deux tours de chaque côté. Ah ouais.
Bon, c'est Prester Janet qui protège la balle, tout va bien. Là, faudrait... Non, là, ça se relève. Ça se relève, elle. Ah, dommage. Bloquer ici à 2D, ensuite amener du support. Ah, ma tour, il fallait tanker un peu plus que ça. Ah, je suis très déçu. Ah, il y a aussi... Oh non, il y a une zone d'esquive ici. Voilà, là faut que ça tombe, ok. J'allais dire parfait, mais non, pas parfait, mais presque. Aïe! Aïe! Aïe, ce qui danse? Non, elle venait de prendre un niveau! Une commotion, ok, on fera avec. Ok, ensuite. Ouais, c'est pas facile, hein. Ouais, ça c'est pour lui. Éventuellement ça, pour ensuite ramener un support ici, taper là. Et ramasser avec personne. Ouais, c'est pas facile, hein. Ça marche comme ça aussi. Ouais, là y a une ouverture là. Ouais, ça passe. C'est bien, Prester Janet. On comptait sur toi. Ah, faut avouer que c'est quand même un match qui se joue à l'agilité. Hein. On a vraiment raté très peu de jeux d'agilité. Ah, je peux même pas me rendre, je pense. Il va falloir faire des GFI. Aïe. Ah. Ok. Relance. Ok. Voilà, je fais du mieux que je pouvais. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, la balle est récupérée, t'es en position de marquer. Donc, je trouve que l'un dans l'autre, c'est plutôt pas une si mauvaise position. Alors ici, il faut qu'on fasse un peu de place. Ok. Donc là, il suffit que soit qu'on fasse tomber, soit qu'on gagne une case. Juste besoin de gagner une case. Putain. Ok, merde. Ça va. J'ai cru aux 4 crânes là, franchement. Hein. Ah. Bon, bon. Ok. On fera pas de nul.
Allez, on va tenter. Franchement, ça passe. Allez, l'interception de la mort là. C'est parti, c'est le moment. Ah bah. Ah, d'accord. Bon, j'ai fait ça parce que tu pouvais plus marquer de toute façon et qu'il n'y avait pas de risque. Non, je me rends pas. D'accord. Bon. Bon, on va essayer de faire de l'XP un peu. C'est là qu'on va voir si ça valait le coup de garder l'apothicaire jusqu'au dernier tour. Encore ma tour qui est en position, hein. Tout est encore possible. Non, je peux pas marquer, je me rends pas. Non, non, de mon côté, pardon, je veux dire. Toi, tu peux marquer. Moi, j'ai encore une chance, mais bon, ça va, ça quand même pas être non plus trivial, quoi. Je pourrais pas ramasser avec papillote, ça servirait à rien. Ok, attends un petit peu. Je ramasse là, ensuite ici on nettoie. Ouais. Bon, pour voir comment ça se pose à la fin de l'U-tour. Aïe. Moins pour faire un jet de dés. Ah, tous ces blocs. Bon, bah. Et voilà. Du coup. Ouf, KO, bon ça va. Alors par contre du coup toi tu fais chier à être là parce que ça fout un peu la merde. Bon, j'ai une esquive, un GFI, c'est merdique. Bon allez, on y va. Ah bah non. Ça c'est fait. Oh bon, mais bah ça c'était 1-0. Ouais, c'était disputé jusqu'au bout hein. Purée, pas facile. Bien joué. Beau match. Bien joué. J'aurais mis gagner avec toutes mes skills, mais non, t'as très 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 bien joué. Bah toi aussi, ça c'est clair. Merci pour le match. Merci. Oh, t'as ton... Ton foudre à l'éclair, ta foudre à l'éclair qui reprend un niveau du coup. Amazon level 5, je crois que j'ai jamais vu ça. Ouais mais là, je sais pas, non, elle est juste blessée pour le match, je pense. Ouais, je crois que c'était juste une commotion. Ouais, ouais, l'XP ça a été, franchement, j'avoue. Et armure 13 quand même.
C'est sérieux. Les stats sont équilibrés quand même. Ouais, t'as fait un peu plus de crâne que moi, mais... globalement, ça s'est plutôt bien passé. Ah, merci beaucoup en tout cas pour le merci match et pour le vocal. Et puis bah au plaisir de se revoir sur le terrain. Un prochain match. Ciao ciao. Bye, bonne journée. Hop, bah on va valider le match et on va aller regarder les petits niveaux. Toc, ah, faut qu'on attende qu'elle le valide. Regarde les statistiques peut-être. Bon, ça s'est plutôt bien passé quand même. Hein. On a eu un peu de mal à jouer la balle, mais la petite envolée au début a bien fait le taf. Ramasse à 60%. Bon, les passes, mais c'était des passes un peu à la con. La seule qu'on a réussi, c'était la seule importante de toute façon. Mettre le paquet, ça s'est bien passé. Les esquives aussi. Ouais, ces esquives à elle étaient un peu plus compliquées quand même. Heureusement qu'il y avait les relances. Ok, bah attends. On verra de toute façon, c'était le dernier match hein, de la SKB. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est pour la saison suivante, est-ce qu'on garde cette équipe ou est-ce qu'on en relance une autre? Ah bah ça voilà, ça a été validé, parfait. Donc on va en speed s'occuper des niveaux, t'en as repris 102 TV d'un coup. Alors, un niveau pour Malice, qui prend une compétence de base, ok très bien. Donc on a la possibilité de prendre une châtaigne ou un tacle... On a vu que la parade marchait bien, mais il faut mieux glissade contrôler quand même pour que ça matche avec. Donc pourquoi pas une châtaigne, pourquoi pas une intrépidité aussi, ça pourrait être utile pour gérer les équipes avec un peu plus de force. Donc si tu passes dans le coin, Malice, tu me diras ce que tu en penses. Et on a Chobiti également qui passe un niveau, hop là. Ouh, le petit point de force, bon bah écoute, tu me diras, mais je pense qu'on prendra le point de force. Hein. Tu me diras ce que t'en penses quand tu passeras sur le match. Donc du coup, pour ce qui est du reste, comme je disais, c'était le dernier match de la SKB 6. Normalement, on doit être très bien placé pour la victoire. Ça va dépendre du match de Dark Pietro. S'il gagne, il va nous passer devant. S'il perd, on est devant. S'il y a ex-aequo, ça va jouer au point et il faudrait voir le nombre de TD marqués. Mais normalement, on a un plutôt bon TD diff différentiel sur cette saison. Donc, on verra. Ce qui est sûr, c'est que je vais m'inscrire en tout cas pour la saison 7 de la SKB parce que cette coupe est quand même plutôt sympa. Si jamais il y a des playoffs et tout, parce que je suis premier, je vous les ferai bien entendu avec, avec l'équipe. Élu. Si on se réinscrit pour la SKB7, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous voulez continuer de voir les nanas jaunes? On peut complètement les garder et les emmener encore plus haut. Ou bien est-ce que vous préférez qu'on fasse une nouvelle équipe? Auquel cas, dites-moi, votez pour la race dans les commentaires. Vous pouvez mettre deux races dans les commentaires hein, et je sommerai pour choisir celle qui a le plus de voix. Et en mettant deux comme ça, ça permet de répartir un petit peu plus les choix. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que le commentaire avec Torvi vous a plu. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.